Salut les amis, c'est Sando et on se retrouve pour un tout nouvel épisode de League of Legends comme chaque vendredi en ranked. Alors, je suis toujours Gold 2. Gold 2 avec 60... Combien ? 73, 72 points je crois. Voilà, j'avance à petits pas, je joue pas trop en ce moment donc je risque pas d'avancer plus que ça au niveau du classement. Je vais essayer d'atteindre le niveau enfin le platine avant les vacances. Je vais tenter. Tandis qu'en fait je joue à pas mal d'autres jeux parce que LOL ça me saoule un peu, bah voilà. Faudrait vraiment que je m'y mette. Donc je suis la speak. J'ai oublié de dire en fait. Je sais pas, je pense que je vais jouer support là. En support j'ai joué quoi déjà? J'ai joué Anivia, Thresh et Blitzcrank. Hein. Qu'est-ce que je pourrais jouer d'autre? Katarina First Pick, c'est vraiment ma kryptonite. Oh, c'est bon, Kassadin. Hein. Pas de problème. Kassadin, il est devenu tellement pourri. Et ils l'ont vraiment mis au fond du trou. Hein. Surtout qu'en fait, maintenant, Kassadin, il joue pas mal au cac en fait. Et alors là, Harry, elle va se faire. Normalement, elle devrait se faire plaisir. Si Harry se fait battre, c'est une grosse merde. C'est une grosse merde. Ok, jungle, donc il me reste top ou support. Alors, vu que le mec n'a pas envie de jouer support. Voilà, jouer top, bien entendu. Excusez-moi. Ah, il y a Morgana que je peux jouer en support aussi. Diana jungle. Ah, ça s'engueule en face. Ok. En face il reste Thresh ou Leona. Donc pas le choix. Nous leur apporterons la douleur. Pas le choix, on va faire Morgana. Oh il a pris Lee Sin, tain, généralement c'était bien. En fait là je voulais jouer Vel'Koz. Je voulais jouer Vel'Koz mais si c'est une Leona en face je vais me faire pourrir de chez pourrir quoi. La Thresh. Morgana aussi c'est un support qui est revenu à la mode. Bien qu'au mid c'est très très fort. Hein. Mid Morgana ça reste très très fort. C'est vraiment une excellente tenue de lane. Hein. Vous êtes pratiquement intuable. Si vous réussissez à tuer une Morgana, soit elle est nulle, soit elle a fait de la merde. Donc voilà, je vais faire une petite ellipse le temps que la partie se lance et on se retrouve tout de suite. Alors, en fait, ça, je pense que ça va peut-être être cassé d'un top. Hein, parce que normalement, Diana counter Harry. Diana counter Harry, donc. Ça sera peut-être cassé d'un top. En fait, cassé d'un.
Sorry, World Class, donc il a plus de silence, ce qui fait qu'en fait le champion lui-même a été vachement diminué. Je vais baisser un peu le son. Ouais, son. Faire ça. Son contrôle a été vachement diminué, donc sa puissance forcément. Bienvenue dans la faille de l'invocateur. Pas de quartier. Mais par contre, il est devenu beaucoup plus cac, il est beaucoup plus tanky. En fait, ça fait un peu une Diana quoi. C'est-à-dire qu'il a un shield. Quand il balance son A, il a un shield. Et il fait très mal au cac en fait. Alors attendez, hop. 30 secondes avant l'apparition de Sbire. Partagez mes tourments. Ouais, alors là. Attention. Bien joué ça. Sentez ma douleur. Ils vont souffrir. Des sbires sont apparus. J'aurai ma revanche. Ouais, j'avoue qu'un Xin sans flash, c'est bien, c'est assez worse. Hein. Contre le Varus fait très très mal. Le Varus fait vraiment très très mal. Ils vont souffrir. Sentez ma douleur. J'espère que la civière est bonne. Ne lambinez pas. Donc là voilà, je mets des auto-attaques hein, histoire de gagner des PO. Pas mon niveau 2 par contre, ce serait bien. J'aurai ma revanche. Pas de quartier. Donc là, le buisson n'est plus ward. Baisse la tête. Très d'ailleurs au passage très joli skin, nouveau skin de Varus. Partagez mes tourments. Premier sang. Merde. Je décale un petit peu trop mes cages. Alors Morgana, l'item de support AP sur Morgana est très très fort parce qu'en fait c'est avec la flak ça stack, qu'elle est tout de suite les 3 stacks de bonus. Donc c'est assez intéressant on va dire. J'aurai ma revanche.
Je les zone un peu histoire que la civière puisse farm tranquillement. Worth it. Dommage. Bon, il a claqué son... J'aurais pas dû claquer mon ini tout de suite, ça c'est vrai, c'est une grosse connerie de ma part. Ah putain, mon putain. J'ai décalé mon shield. Je suis trop con. En plus, je l'ai vu balancer sa lanterne, j'ai fait ah, y'a Xin. Hop. Bon, déco, ça tombe bien. Donc voilà, je vais faire une petite ellipse le temps que ma box décide à refonctionner. Et on se retrouve tout de suite. Ok, alors, hop. On va faire ça, on va faire des bots et on va faire une ward. Ah, ça me fait chier. Ça me fait vraiment chier d'être mort comme ça. Alors, la Sivir est. Attends, le Varus 35, Sivir 43. Bon, Sivir bat peu le Varus. Une ward ici, une ward là. J'aurais ma revanche. Un petit flash là, ah, parfait. Bien joué ça. Non, hop, peace, tâche. Très bon taunt de chaîne au passage. Très très bon taunt. Ah c'est con parce qu'au final j'aurais fait mon cristal. Mon cristal de rubis. J'aurais pu acheter la Sidestone direct. Ne lambinez pas. Non moi je la stuff troll Morgane hein, je vous préviens. Je la stuff troll, c'est à dire que normalement je devrais finir cet item là et je vais pas le faire. Je vais faire. Là je remarque que je vais peut-être faire un Zonia en premier. Si j'ai assez de PO. Est-ce qu'il y a un actif là-dessus? Non, il y en a pas. Donc moi je max la cage en premier histoire d'avoir un contrôle plus long. Un petit peu partager mes tourments. Ah, c'est bien une Diana. Ah, c'est une Diana top quand même. Ça me surprend ça. J'avais pas regardé. C'est une Diana top. Un ennemi a été tué. N'est pas. Shen joue très très bien. C'est un bon point parce que c'est vrai que c'est plus vraiment monnaie courante. J'aurai ma revanche. Attrape. Ouais, là ça pue le gang. Ah non, remarque non. Il n'est plus là. Sivir Morgana, ça se complète pas trop mal parce que quand je balance une cage, elle peut balancer son boomerang et elle a le double shield. Ah voilà, j'ai mon niveau 6, c'est parfait ça. Ne lambinez pas. Ah dommage, je l'ai pas eu. Le trèche prend très très cher. Ils vont souffrir. Ah,
j'arrive pas à caler. Partagez mes tourments. Ah dommage, là c'est pas worse. Vous voyez un peu le Katadin comment il tank. C'est assez impressionnant. Bon hop, on va faire cache. Ça. Alors le problème c'est que je prends les kills. Votre tourelle a été détruite. Daniel, elle a combien au farm? 85. Ouf, elle farm un petit peu trop bien. Ils vont souffrir. Elle a 0-1. Ah, ça va être une Diana dans le Nashor. Oh, balls. C'est pas extraordinaire, mais... Mais ça marche quand même. Normalement on devrait pas pouvoir, enfin on va être assez safe au gank. Partagez mes tourments. Prends ça. J'aurai ma revanche. J'ai mon ulti dans 10 secondes, je vais peut-être tenter un truc. J'aurai ma revanche. Vous voyez, ça c'est une méthode de... Ah, remarque, non, il y avait vraiment Xenor. Oh, ça c'est le trash qui a eu les kills. Vous avez tué un ennemi. J'aurai ma revanche. Pas dead cage. Hop. Un deuxième, on max le shield. Ça permettra de l'avoir plus rapidement. Pas de quartier. Sivir, ouais, un kill. Que j'ai peut-être resté encore un peu. Partagez mes tourments. En fait, il manque 400 PO et j'ai mon. Votre équipe a détruit une tourelle. Attends, je suis mad. Il manque vraiment pas grand chose. Hein. Il manque 100 PO et j'ai mon. Baisse la tête. J'aurai ma revanche. Un allié a été tué. Voilà, je suis dit. J'ai besoin des golems. Quartier. Un ennemi a été tué. Voilà, ça c'est un bon. C'est un bon carré AD. C'est un bon carré AD. Alors hop, hop. Voilà, je vais commencer à ouvrir. L'allié a été tué. Ne lambinez pas. Ah, c'est ça que j'ai pas pensé à faire, c'est... Vous
L'ennemi a été tué. Bon. Et bah... mes tourments. Je vais chercher mes bottes. Sentez ma douleur. Le problème c'est que je prends trop de kills, hein, mais après c'est Morgana. Hein. Morgana ça en early jusqu'au niveau 13, c'est un très très bon burst. Après ça a tendance à s'essouffler par contre. J'aurai ma revanche. Après, ça a tendance à s'essouffler, je trouve. C'est pour ça qu'elle est plus extrêmement jouée mid, parce que les Morgana mid feed, fin de game, elle sert plus à grand chose en fait. Il y a trop de cooldown si vous voulez sur ces spells. Donc, à part de la jouer avec 40%, c'est pas très très intéressant. Un allié a été tué. Ils vont souffrir. Lui, il a été wardé. C'est ça que j'ai pas pensé à faire, c'est acheter un brouilleur. Une grosse connerie. Ne l'embinez pas. Un ennemi a été tué. Partagez mes tourments. Un allié a été tué. Ils ont pink le tribush. J'aurai ma revanche. Honte. On se tire. Sentez ma douleur. Ils vont souffrir. Normalement. Partager. Oh putain, comment j'ai pu rater ça quoi. Oh, il était offert par la maison. Oh putain, je suis tellement mad. J'aurai ma revanche. Ah bah voilà. J'ai pas de shield. Meurtre en série ennemie. Putain, j'ai pas eu le temps de le save. Barre-toi. Barre-toi. Baisse la tête. Ils vont souffrir. Dommage, j'avais pas ma cage, parce que là je l'aurais calé ma cage, il aurait chialé sa maman. Partagez mes tourments. Votre tourelle a été détruite. Je vais attendre le... C'est comment ? Protège-bras. Et je vais vendre ça. J'ai mon brouilleur. Chaîne Hydra, sérieux ? What the fuck ? Ça sert à rien. Bien qu'on remarque que ça lui donne une... Si après il couple ça à une... S'il couple ça à une... J'aurai ma revanche. Merde. S'il couple ça à une régène... Enfin merde, comment ça s'appelle déjà? Un visage spirituel. Ça peut être pas mal. Sentez
Kassadin a l'air d'être bien feed, hein. Ouais, 5-2 quand même. Partager mes tourments. Un ulti pour Kassadin, c'est toujours worth it. Le lobby n'est pas. Putain, mais non, mon pote, j'ai un protège-bras. Je tank bien les dégâts. Pas de quartier. Alors, l'avantage avec Morgana, c'est que vous pouvez distribuer vos caches comme des bonbons. Hein, ça, il n'y a pas un coup de. Ah, si, 90 de mana quand même. Mais en fait, Morgana a beaucoup d'AP, enfin beaucoup de mana de base. Donc, on va dire que ça passe quoi. Un allié a été tué. Ouais, le problème du chêne, c'est que là il tanque que dalle. Il tanque vraiment que dalle quoi. Kassadin. Nanana. Ils vont le tuer quand même. J'ai pas mon ulti. J'aurai ma revanche. Ils vont souffrir. Là, je pourrais tuer le. Je peux tuer le Thresh. Je pourrais tuer le Thresh, mais je vais pas tenter. Et maintenant on va faire un séculaire hein. On va faire un petit séculaire histoire d'avoir un petit peu de vie. Sentez ma douleur. Alors je préviens, je sais pas du tout si la webcam marche. Là je vois elle a des sauts. Donc je pense qu'elle va pas fonctionner. Ça fait chier, ça me fait vraiment chier. J'aurai ma revanche. Ah, allez. Kassadin, il va me courir après. Partager mes tourments. Je peux rien faire contre ça. Kassadin quoi. En fait non, j'ai rien dit. Kassadin il est toujours aussi fumé. Comme quoi. Hein. Oh là là, le Varus. Ferme ta bouche, tiens. Prends un bonbon pèse. Alors je fais ça parce que je suis feed, hein. Je serais pas feed, je ferais pas du tout comme ça. Laissez le Kassadin, laissez le Thresh tranquille, c'est le Kassadin. Là c'est tendu, hein. C'est vraiment pas gagné d'avance. Hein. Kassadin est feed. En fait y'a que Kassadin, je sais pas pourquoi on galère autant. Hein. Harry est feed, en fait on est tous feed, plus ou moins. Partagez mes tourments. Ah,
ne lambinez pas. Ah, elle fait mal, putain, c'est abusé quoi. Je peux pas t'aider. Un allié a été tué. Bon, elle a détruit la Diana, c'est pas mal. Oh, je pensais qu'il y était sûr. Votre tourelle a été détruite. Chaîne speed push. J'aurai ma revanche. Votre équipe a détruit une tourelle. Partagez le tourment. On va faire ça contre une Diana. C'était totalement bête. Un allié a été sauvé. C'était totalement bête. Doublé ennemi. Doublé. Ah ouais, bien joué ça. Ah putain, cassadin quoi. Partagé. Ça par contre, son putain de saut, ils l'ont pas nerf. Hein. Je vais être des poches bottes. Ouais, je fais une très bonne game, hein. J'ai pas à m'en plaindre. Faut dire que le Varus est vraiment très mauvais. Ah ouais, il s'est fait tuer encore. Interruption. J'aurai ma revanche. Là vraiment, si je fais le visage spirituel, normalement je devrais être très très difficile à tomber. Je vais vraiment être très très difficile à tomber. Parce que le Varus c'est pas feed, il fait pas énormément de dégâts. Et voilà, il y a que... C'est qu'après c'est Kassadin et Diana quoi. Partagez mes tourments. J'aurai ma revanche. Ne l'envinez pas. Tape Lissine, c'est The Gogol. Votre équipe a détruit une tourelle. Un ennemi a été tué. Votre équipe a détruit un inhibiteur. Sentez ma douleur. Partagez mes tourments. Bon, et ben on est bien. Par contre, on va se dépêcher de back parce qu'il pourrait tenter le Nash. Hop, on va faire ça, on va faire nos home guard. C'est bon qu'on avait pas le Nash. Hein. Ils vont souffrir. Voilà, c'est des petites actions stupides comme ça. Un
revanche. En niveau stuff. Ah, ça, Harry est quand même bien stuff aussi. Sentez ma douleur. Hop. Reviens par là. Oh là là, qu'est-ce que tu nous fais? Oh la vache, ah c'est bien, elle fait tellement mal. Fais gaffe, il y a Cassadin là, je crois. J'aurai ma revanche. J'ai cru voir un Cassadin. Ils vont souffrir. C'est pas Ward, ça doit être Ward ici, je pense. Ça doit être Ward ici. Lee Sin fait le dragon. Et moi il me manque. Oh putain, la Harry elle fait chier quoi, suicider là. Kassa a pas son bleu. Peut-être que. Non. Non, mais je vais faire le tour. Il avait fait le tour. Et la TP. Tellement payé. Oh, puis il y a Cassadin pour l'attraper, je te dis pas toi. On s'est wardé ici. Sentez ma douleur. Fais chier, un ulti dans le vent là. Allez, allez, yes! Voilà pourquoi claquer mon ulti sur Cassadin, c'est idiot. Parce qu'au final, on n'a pas réussi à l'avoir et. C'est qu'on s'est dehors et j'avais le Zonia. J'ai pas pensé à claquer. J'ai pris. Ah ouais, Diana, elle fait cher. Elle fait rach. Ra. 1, 2, 3. Elle fait grave. Elle met grave cher. Je vais y arriver. Visage pi c'est bon. Maintenant je vais faire un peu de DPS hein. Je vais faire un Rabadon je pense. Ouais c'est vrai qu'au final on prend pas les tourelles, on prend pas les nashes. C'est un peu bête, on prend juste les kills. Oui Harry 13-10 hein. Elle s'est quand même fait tuer 10 fois. C'est elle a beau avoir 13 kills, se faire tuer 10 fois c'est pas mieux quoi. Nash là hein. Nash gratuit hein. Nash gratuit. Voilà la Harry elle va chase, elle va se faire tuer. C'est chill, ça marche. Allez tiens chef. En fait, je fais tellement de dégâts que je prends les kills quoi. Oh là là, Dat Morgana. Diana est derrière. Votre équipe a détruit un inhibiteur. Toi déjà t'as un raid. Oh parfait. Espèce d'évitation pour les raids de ce mois. Oh bah merde.
En fait, j'ai trop d'espace sur mon disque dur, donc il n'y aura pas de vidéo, je pense. Ou alors la vidéo a déjà dû se couper depuis un bail. Oh, c'est fail. Bon, tant pis. Du coup là, hein, Morgana c'est très très fort. Hein. Ma civière était bonne aussi, d'ailleurs je vais lui mettre un petit honorable. J'aime bien travailler avec ce genre d'ADC là. On se parle pas de la game, mais on se comprend. Voilà, c'est ce qui fait tout. Voilà, ça rage. Donc voilà, on avait une assez bonne équipe, hein, à part Larry qui allait constamment se suicider. J'avais pas besoin de babysit la civière, c'est ça aussi qui m'a plu. Donc ça c'est un bon point. Voilà, Morgana j'ai pas vérifié pour la cage, mais je crois que c'est 2 secondes 5. En fait, c'est un des plus gros contrôles du jeu, avec Fiddle et Rammus, il me semble. Donc c'est pour ça que c'est un très très bon support. Et surtout les dégâts qui sont assez colossaux. Hein. Ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Vous voyez, je suis dans Gold, je suis juste derrière la civière. Et niveau des dégâts... Ah non, Harry colle quand même plus. Hein. Voilà, Morgana c'est un très très bon pick pour support. Après, voilà, je vous dis pas que ça maîtrise, ça demande quand même un petit peu de maîtrise, surtout au niveau des boucliers. Même moi, enfin, Morgana je l'ai jamais beaucoup joué. Je l'ai joué de temps en temps, mais jamais vraiment en ranked. Enfin, du moins pour la mid lane. Voilà, ça demande de la maîtrise, c'est surtout le bouclier. Hein. La cage, c'est. Ça équivaut à un grapp ou ce genre de choses là. Donc voilà. Je n'ai pas grand chose d'autre à dire. Moi, je vous conseille, franchement, si vous avez un mid en face que vous ne sentez pas, je vous conseille vraiment Morgana. Hein. C'est un très très bon pick. Et dans tous les cas, maintenant, si vous allez first pick Morgana et que le mec en face pick un AD, vous pouvez toujours aller support. Hein, ça... Parce que forcément, Morgana contre un AD ne fait pas grand chose à part si il a du contrôle en face. Dans ce cas-là, avec votre bouclier, ça vous sera utile. Donc voilà, ce sera la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu, hein. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, de me suivre sur Facebook, facebook.com/sandotv, les liens sont dans la description. Ouais, sur ce, bah écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.